Je suis actuellement sur mon trône, dans la dacha, bien entendu. Eh bien, heureusement qu'il y a une fenêtre comme dans un guichet. J'ai l'impression d'être derrière un guichet et je ne sais pas, d'être comme quelqu'un qui travaille pour le monde extérieur. Alors ici, je peux philosopher, je peux me concentrer. C'est vraiment le lieu idéal pour créer le monde, se recréer, créer des tas de choses. En somme, quand on dit que c'est le trône du roi, bah oui, le roi, c'est à ce moment-là, c'est dans ces endroits pareils que les rois, les présidents et tous les tordus du monde, y compris les bons rois et les mauvais rois. Mais qu'est-ce que je raconte comme bêtise? C'est sans doute l'endroit n'est pas tellement agréable. Il y a plein de mouches qui sont là, qui viennent du fond du trône. Ouais, c'est ces gens du peuple, les salopards. Bon, bref. Eh ben, vous savez que un président, surtout quand il est constipé, c'est dans cet endroit-là, qu'il réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le peuple, pour les gens, faut-il attaquer son ennemi, l'ennemi, les ennemis, se créer des ennemis, faut-il créer des nouvelles choses. Excusez-moi, mais je commence à divaguer parce que je suis dans un état, une odeur épouvantable ici. Bon, bref, eh ben c'est le trône. Vous savez, la France, faut dire que à un moment donné, à Versailles, il n'y avait même pas ce genre de lieu pour pouvoir s'exprimer. Les gens faisaient leurs petits besoins carrément dans les jardins. Et puis c'est le pauvre peuple, les servantes, les domestiques, pour être précis. Alors eux, ils ramassaient tout ce que les aristocrates, l'entourage du roi et tous ces imbéciles, ils s'oubliaient, ils se vidaient. Mon Dieu, il faut que j'arrête parce que ça devient suffocant. C'est agréable à un certain moment, mais à un moment donné, il faut prendre... Non, il faut que je m'en aille, c'est plus possible. Allez, ouvrons la porte, c'est plus possible de rester là. Ouah. Aïe, 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 aïe. Oh. Ouf.